Bien le bonjour Twitch. J'espère que vous êtes tous très très bien aujourd'hui. Salut, welcome, bienvenue. Bienvenue, mon stream deck ne fonctionne toujours pas. J'en ai marre, je casse tout. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais salut à tous, salut, bienvenue. Bienvenue sur le chat, j'espère que vous êtes tous très très bien. Genre il y a ça qui tourne au fond de mon PC depuis tout à l'heure. Ok, ça marche. Mais salut à tous, salut. Salut Specimen, salut à toi Redwood, salut à tous qui sont déjà sur le live. Salut à tous, installez-vous. Salut à toi Alpha Marcel, salut à toi Carbob, salut à toi Comotune, salut à toi Dark, salut à toi Elliot, salut à toi Fritel, salut à toi FRW. Il y a pas mal de bots qui arrivent sur le chat maintenant. Community for small streamer, Discord for streamer. C'est qui tous ces gens? Je passe ces gens là ici. Salut à toi Gabi, bonsoir à toi Grégory, bonsoir Hugo, bonsoir Jeff Corga, bonsoir à toi JujuMX, bonsoir Lucas, bonsoir les deux Lucas, bonsoir à toi Lulu Gaming, bonsoir Matt Lorocker, salut à toi Maxence, salut à toi Nick Scholl, salut à toi Shadowy, salut à toi Specimen, salut Steak Gian, salut Temi, salut à toi Voilà Balou, salut à toi XTOTOX, salut à toi Zertinox, salut à tous, salut, bienvenue au programme de ce soir. On va continuer le Supercross du Copain sur MX Simulator et ça c'est cool, j'ai envie de dire. Juste avant, je voudrais faire fonctionner le stream deck. Non. Et mon fond vert, juste là. C'est pas assez clair, à mon avis. Voilà. Mais plutôt pas mal. On peut le tirer légèrement. Voilà. Et voilà, on est pas mal. Voilà, nickel. Mais écoutez, moi, ça va très bien. À part qu'on s'est fait hack le Discord de Fever cet après-midi. Enfin, fin d'après-midi, c'était un peu chiant. Mais bon, ils ont réussi à tout retrouver apparemment. C'est pas trop mal. Save. Ouais, ils arrivent à retrouver pas mal de choses. C'est pas mal. Mais un peu galère du coup. Mais voilà, bon, pas importe. Ils arrivent à s'en sortir. Heureusement qu'il y a une équipe derrière de fous, de tarés qui s'occupe de ça. Parce qu'au moins ça va vite sur le pied et ça c'est cool. Bah oui, non, mais il y a des gens qui ont pas de vue, faut les laisser faire, voilà, ils sont contents. Mais bon, on n'y peut rien, c'est pas grave, hein. Y a une personne du staff qui a fait une fausse manip, qui a cliqué sur un mauvais lien, qui s'est fait hack son compte, et puis basta, une fois qu'ils ont accès à tout, de toute façon, ils ont accès à tout et c'est fini, quoi. Mais bon, voilà, peu importe. Son nom, on va se détendre sur MX Simulator, on va continuer notre petit track qui avance pas mal. Oui, je sais, je me suis fait attaquer juste là, faut pas faire gaffe, pas gaffe à ça. Mais nous, on va continuer notre petit track sur MX Simulator, d'ailleurs, est-ce que ma manette fonctionne, j'ai pas testé. Normalement, oui, parce qu'elle est full tout le temps débranchée maintenant. Normalement, il n'y a pas de raison qu'elle fonctionne pas. Tac, à moins que me Supercross 4 fasse bugger aussi maintenant. Mais on va voir ça tout de suite. Tac, tac, start. Suspense. Est-ce que ça va bug ou pas? Chargement. Oui, je vous mets sur l'écran de game. Bah non, elle marche pas le stream deck. Je peux pas cliquer ici. Pourquoi il veut pas que je clique? La manette fonctionne déjà, ça c'est bonne nouvelle. Pourquoi le stream deck ne veut pas fonctionner? Quitter. Attendez, on va le relancer. Stream deck. Parce que d'habitude en relançant ça fonctionne. C'est bon, ça fonctionne. Nice. Plus c'est chic là. C'est bon, on est bon. On est tout bon, on est parfait. On est nickel, merci à toi, Arv, pour ton follow. Merci beaucoup. Et du coup, on va continuer notre petit Supercross qui était là-bas. On va y retourner le voir. J'ai voulu faire le looping en y allant, en faisant le beau gosse. Mais je l'ai raté, mon looping. Un jour, on l'intégrera quelque part, ce looping. Ne vous inquiétez pas. On le fera mieux et on l'intégrera quelque part. On fera vraiment mieux que ça. Moi, je veux aller jusqu'à mon Supercross qui est au fond là-bas, s'il vous plaît. Ouais. Alors, on avait pas mal avancé la semaine dernière dessus. Ça, c'était cool. Ah. Bye setup. Anti-lock. Stop pulling, front only. S'il vous plaît. S'il vous plaît, arrête de faire la roue. Arrête toi. Ah, merci. Yo Clément, yo ceux qui sont sur le live. Salut. Désolé, j'ai fait la roue un peu. Ah mince, ça y est pas parce que j'étais pas à l'arrêt. Bye setup. Anti-lock, front only. Voilà, non, c'est vrai bon là. Ouais, je pense qu'on pourra le finir ce soir. Ouais, parfait. On attaque de bonne heure, donc je pense qu'il y aura moyen de le finir, ouais.
Je vais baisser ça, augmenter ça. Voilà, parce que sinon ça me grise dans les oreilles, c'est pas agréable du tout. Faudrait que j'arrive à... Je pense que c'est un souci de ma table de son qui me renvoie un grésillement quand je mets mon micro. C'est assez chiant, mais bon. Je peux faire grand chose. Du coup, ce qu'on a fait la semaine dernière, alors on est attaqué ici, que je me rappelle. Là, on pouvait attaquer direct ici pour faire le triple. Yes. Est-ce que je vais y arriver le premier coup? Là, on pouvait, hop, le petit pain de sucre. Le virage qui était nickel. Petit double. Avec un triple qui est un peu plus long que prévu. Et après on va enchaîner avec le double en virage. Et après on va enchaîner la suite. Tu as des news du futur? Non, pas de news, MX Clément. Je sais que THQ doit en annoncer un, mais on sait pas trop quand. Bonsoir Jojo. Salut, salut. Alors comme ça, ça passe. Trop long, merci. Attendez, on va y arriver. Faut que j'avais me recalibrer. C'est pas marrant, Zoltar. Yes, ça passe nickel. Et là, le gros leap au-dessus pour revenir ici. C'est nickel, parfait. Je vais juste virer ce truc-là parce que sinon ça fait lag mon PC. Et j'ai levé toujours pas résolu ce problème, donc c'est un peu chiant. Salut Lulu, salut, salut. Sinon, ce moment, time trial sera plus vite. Voilà, comme ça, on se met direct devant. Et on peut y aller. Hop, le petit double, vous pouvez prendre par là aussi, normalement. Yes. Hop, enroulé. Si on pouvait sauter directement derrière, je crois, de mémoire. Là, le gros leap. Wouhou ! Et voilà, on pouvait enchaîner derrière et ça passait bien. Voilà, parfait. Ma réaction. Ah. J'ai pas trop réagi, mais bon, si tu le dis. Il y a des gens, vraiment, ils font des trucs bizarres sur TikTok. Bon, après, faut juste apprendre à viser, quoi. Mais sinon, ça passe bien. Parfait. J'avais un sourire. C'est peut-être pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Faut pas quoi, chercher à comprendre. D'ailleurs, je vais pouvoir fermer ça, je pense. Alors, continuons. Moi, ce que je voulais faire, c'était faire un retour par là. Avec une série de hoops pour recouper la startline. Parce que la startline, normalement, elle est là, de mémoire. Elle part en début de B7. On va se faire ça pour faire la startline. On va se faire un petit raise. Ok. Genre en petit rayon. Voilà. C'est elle, ouais, c'est elle. Normalement, elle est là, start line. Si je dis pas de bêtises. Ça fait une grosse montée ou une petite montée, ça? Ça fait un gros mur. Moi, je veux juste un tout petit mur pour pas avoir de soucis. Donc, faut diminuer la force. On va le mettre à 0,25. Ouais, parfait. La start line, elle sera là, le virage là. Et je pense que si on lui fait ça de là, je crois start line, c'est pas mal, je pense. Ouais, je sais pas combien je vais pouvoir mettre de gris là-dessus. Mais je pense que c'est assez large. Hein. C'est même limite trop large. Je pense qu'on peut le faire revenir genre comme ça, quoi. Hop, comme ça les gens à droite ils resserrent, ça resserre. Bon, c'est peut-être un peu trop goulot, étranglement au bout. Comme j'avais fait avant, c'était bien en fait. Voilà, comme ça la startline c'est bien. Et du coup la loupe, je l'ai fait tourner, je l'ai mis le long là. Ouais, je vais mettre un virage 90 là, puis on partira sur le long et on sera bien. Juste que je vois la largeur de ce truc là. Que j'ai pas de soucis. Radius. Normalement, c'est à peu près 39 de large. Ou on peut laisser large. On peut laisser une large récepte quand même à ce niveau-là. On va partir comme ça. On va faire un virage droite. Les hoops. Virage droite et on recoupera.
Ah, puis on peut recouper comme ça, faire comme ça. Ah, ça peut être sympa. Quand j'aurai fini le Supercross Redwood. Ou sinon, je vous fais payer pour avoir le lien en avance. Technique, technique. J'ai fait tomber ma manette. Par contre, mon fond vert déconne toujours. Attendez, on va régler ça. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Voilà, parfait. Là, il déconne plus. Non, c'est nickel. Du coup. Zrak, si tu continues, tu vas prendre un ban, hein, donc à toi de voir. Donc l'idée, c'est de mettre les hoops à ce niveau-là, donc le long là. Le problème, c'est que le virage est un peu long, hein, mais bon, c'est pas grave. Radio emplacement, on va faire un nouveau. Qu'on mette des hoops à ce niveau-là. Ça peut être pas mal, je pense. Et si on fait virage et hoops, ouais. Et si on veut faire un step-up, ça prend quelle taille? Ça prend environ une case. Donc si j'arrive là, une case, ouais, on devrait passer, je pense. Ça devrait passer. Alors, edit. Set from terrain. Curve. Et voilà. Je pense que si je fais tous les trois, ça devrait être pas trop mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 et 1 de haut. On va déjà voir comme ça. Je sais pas du coup combien je vais en faire. Je fais tout, c'est peut-être trop raide. Yo, let's go. Salut, salut. Bonsoir, Monster Bussy. Bonsoir à toi. Yo, Evan. Yo, let's go. Yo, Amstream. Salut, ceux qui arrivent. C'est vrai que je vous ai pas fait de story comme quoi je commence en live. N'importe. Je pense que je peux finir à peu près. Ouais, on va commencer à réduire la hauteur. Hop. Hop. Puis un dernier un peu bas. Voilà, avec une récepte un peu plus longue. Voilà, on va être pas mal là, je pense. Alors, linear paint. Donc, on veut la même largeur que cette ligne-là, ouais. On peut augmenter le focus, on peut augmenter la taille à 60, je pense. Oula. Peut-être un peu large, 60, 55. C'est bien 55. Et du coup, on fait les oops à ce niveau-là. On y passe comment c'est oups. Ça fait des gros oups, donc imaginons qu'on a un virage là, hop. Oula. Le premier on voit beaucoup. Le premier on voit beaucoup trop. Il en voit trop. Ouais, ils sont vachement serrés, hein, je pense. Je pense qu'ils ont trop serré. Oulé. Je suis bien stop de SX. Oui. Yo, Bagatator. Thank you.
Après, ils sont faciles à prendre en soi. Mais un peu trop serré quand même. Merci HZ Musti pour le follow. Ouais, on va les écarter un peu, je pense. Hop là, edit. Enlève-les et... Attendez, je pense que je peux faire ça, plutôt. Pour être plus tranquille avec ma manette. Ça, je pourrais la poser sur le côté. Hop là, voilà. Du coup, faire plutôt 4 au lieu de 3. Bah, faut que... Non, je peux le faire à la main, sinon. Donc, en gros, là. 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 Zaltor, dernier avertissement, la prochaine fois, c'est le ban. Oui, mais pour le moment, j'ai les espaces. Je vois déjà l'espace. Après, on verra pour faire mieux les crêtes. Pour le moment, je vois un peu. Après, on verra pour mieux faire, hein, mieux les former. 5, je me fâche chier à tous les former. Pour être tranquille et après me dire bah non merde ils sont trop serrés ou voilà à bouger tous les points après. Après oui il faut aplatir les crêtes quoi. Ouais tu vois là c'est un peu mieux même si c'est trop espacé du coup. Ah compliqué. Faudrait que je sois entre 3 et 4 quoi. 3,5. Oh. Je fais n'importe quoi, je fais pas gaffe à comment mon pilote il roule. Oh non, soit c'est pas si mal. Je sais pas, vous préférez comme ça ou la version d'avant où c'était plus serré. Yo Fuxo. C'était plus stylé. Maintenant. Cal aussi qui va pas une occasion. Ouais mais l'idée c'est pas de faire un track dur à gérer en fait. Non je vais laisser comme ça. Ça passe bien. Et limite, j'ai même pas besoin de les reformer, les oups, du coup. Je les laisse à la rage comme ça et ça passe, quoi. Donc, je les fais un peu plus haut. Non, je sais pas, Lulu. Non, oui, puis j'aime pas les oups trop complexes. Je trouve ça un peu con quand tu t'arrives en stress dans chaque oups. On va juste les faire monter un peu plus haut. Au moins les gens seront pas en stress dans les hoops parce que c'est censé être un compound fun, pas besoin de se faire chier avec un compound ultra technique quoi. Par contre on peut en rajouter des hoops. Ça c'est sûr. Alors on peut en rajouter une au début déjà. Voilà. Quoi de nouveau depuis la dernière fois? Bah c'est pas la dernière fois que t'es venu.
Moi les Zoldars. Enjoy ton ban. Ouais voilà, en gros là c'est un peu plus complexe, faut passer en deux quand même pour être bien. Ah tu t'as quitté, vas-y je vais te faire un petit tour let's go. Ça tu as vu du coup. Donc là on a rajouté un petit double avec un gros triple que je me mets un peu court. J'arrive pas encore à bien le jauger le triple, j'ai peut-être fait... faut juste prendre l'habitude quoi. Il était bizarre. Il voulait juste se faire ban, je pense. Il y a des gens comme ça, je sais pas pourquoi. Leur objectif, c'est de se faire ban dans le chat. C'est pas l'objectif. Donc je disais, le petit mur. Gros virage, double. Voilà. Bon, je suis long du coup, c'est pas grave. Là, du coup, on leap au-dessus de l'autre ligne. Hop là. Pour arriver là. Grosse récep. Virage à droite que j'ai pas encore fait. Et là, session de oups. Où faut essayer de mieux prendre. Et voilà. Oui, au 250 ça passe large le triple. Regarde en 450 si j'accélère à fond. On pouvait faire comme ça. Ah, j'ai raté. Dommage, un peu court. Ça va faire des morts. Bah, après, en soi, l'autre côté. Tu sautes pas vraiment donc. Regarde, si je prends à fond, si je prends à fond, limite je fais quadruple. Donc en 250, c'est sûr que ça passe large. Bon, les oups, c'est bien du coup. On va faire le virage qui est là normalement. Gradient placement. Toi, copie gradient. Hop. Hop, gradient edit, c'est du add, linear add. Faut que je baisse le focus. Ah merde, gradient add. Ok, donc faut que je le fasse plutôt comme ça, le virage. Parfait dedans. Le virage est bien, il est juste trop haut en fait. Sinon en soi c'est bien. Faut que... Attends, j'ai pas beaucoup de force. Hein. Peut-être que je retravaille un peu la courbure. Non, pourtant la courbure est belle. Parce que si je le fais en raf comme ça. Salut Dono, salut salut. Tu vas un peu mieux comprendre la Dono de live. Oula. Un peu haut. Tu devrais un peu mieux comprendre, je pense, normalement. Toujours trop. Je sais pas comment ça marche la force là. Là, je suis à cette hauteur là. Si je diminue la force, genre à moins 3, c'est mieux.
Mais en moins 3, ça fait pas du Ulysse. Que si je vais en 0,25. Là, si je reste appuyé, ça masse bien, quoi. Faut que je l'édite et que je le fasse moins haut. Faudrait que je le cut à peu près à ce niveau-là, la moitié. Oui, c'est vrai, c'est un peu plus lisible. Hop. Si je fais ça, ouais, c'est mieux déjà. Du coup, là, il faut que je réduise le focus, que j'augmente la taille, que je fasse ça. Voilà, on a un joli 90, là. Et juste pas assez creux à mon goût. Pourtant, ma marque JV qu'il est creux, hein. Comme beaucoup de gens fixo. Truc de jetage, c'est quand même, oui, c'est sûr. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Non, mais je vais mettre un virage à droite au bout des oops. Pour recouper la start line et on sera bien. Un peu bas du coup là le virage, mais l'idée est bonne. C'est pas mal là. Alors tu réceptes de ton leap. C'est un billard le truc. Il est juste un peu trop refermé, donc il faudrait que je réduise un peu le radius. Voilà, pas ça. Là le virage va être parfait. C'est un bol comme virage que j'ai fait, mais bon. On n'est pas là pour faire un track compliqué, hein. On est là pour faire un track fun. Oh, c'est parfait là le virage. Hop, t'as dedans, pam. C'est quand même galère à prendre les hoops, hein. Yossi Darzo, salut à toi. Vous savez, vous en sortez avec le Discord. Ouais, voilà, c'est parfait, voilà. Et puis là, virage droite, tu recoupes la start line. Hop, donc là, pour placement copie, on va reprendre le même. Mais du coup, pour ressortir dans ce sens-là, on va mettre un... Voilà. Ah, nice. Puis au moins, vous avez fait un truc propre, quoi. Faut juste tout relier, quoi, derrière tous les scripts qui étaient derrière, mais bon. Oui, c'est juste du boulot, quoi. Bon. Si on avait une sauvegarde, c'est très mieux. Dommage que Discord le permet pas, quoi. Je sais qu'il y a... Merde, comment il s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Gurs, putain. Il va regarder pour faire des saves du... avec le bot du Discord. Ça pourrait être cool qu'on ait des backups. Non, j'avais fait add pourtant. Ah, parce qu'il est là le virage, ok. Hmm.
mettre dans ce sens-là, du coup, si je veux ressortir droit. Il est peut-être un peu proche de la sortie des hoops, le virage. Oh non, ça va, franchement. L'idée est bonne quoi, c'est juste qu'il est trop haut. Avant, je vais Linar placement new edit set from terrain paint. Je vais enlever ce trait là. Hop là, parce que sinon il va nous embêter. Voilà, pour pouvoir recouper bien propre. Parce que maintenant c'est bon, on n'a plus besoin de ça. Parce que notre ligne, elle est bien délimitée par l'autre. Hop là, nickel. Alors, placement, toi, hop. Add, on dézoome, on enlève du focus. Il y a qui le virage là? Ça ressemble à rien. Pourquoi il y a des trucs là qui restent? C'est un bug des ombres à mon avis. Ah, j'ai réussi à l'enlever. C'est bizarre. Je crois qu'il faut mettre un coup de smooth dessus. Non. Peu importe. D'accord, ouais, c'est trop. On va ajouter de l'angle, on va enlever du focus. Pas mal là. Ouais, c'est ça. Je, bah, comme la semaine dernière, je crée un circuit, tu vois, de SX sur mon petit complexe. Ouais, c'est parfait le virage là. Hop, tu recoupes, là tu reprends un virage, tac, et t'arrives là, tu fais step on, step off. Parfait. On va d'abord faire le step on, step off, je pense. Pour voir un peu. Déjà, on va placer le virage là, en premier. Ce virage-là, on va le mettre là. Hop là. Chut. Comme ça, on va revenir comme ça. Pour venir recoller un peu avec cette ligne, ça va être sympa. Ouais, il va finir sur YouTube comme tous mes lives en tôt. C'est chiant quand ça fait ça. Ah voilà. Parfait, mon virage est nickel. On peut faire la première ligne avant pour arriver dedans. On va dégrader dans tous les sens.
Le step on, step off. Il est si long que ça, lui. On va le faire nous-mêmes. Parce qu'en gros, il faudrait que je le commence à peu près là, si je veux être bien. On va commencer un peu avant. Alors, on va commencer là, la bosse. Alors, lui en curve. Je me tasse à pique, est-ce que je vais faire une table dans tous les cas? On va faire monter un peu. On va essayer ça. Donc focus à 100%, la taille on va la réduire. À peu près pareil que l'autre, ouais, voilà. Ça donne quoi ça? De vue en live sur Twitch, 400 des patates pendant l'événement de Supercross the Game. Supercross the Game 3 de mémoire, on a fait 400 la nuit. C'est pas trop mal, c'est juste un peu trop rond et un peu trop smooth à mon goût. Mais sinon, dans les lits, on est pas trop mal. Donc on peut rétrécir un peu tout ça. Et la table, on peut la mettre plus haute. Ça fera mieux. Vraiment une légère montée. De quoi la victoire des Français? Ah oui, ce week-end, ah oui, c'était propre ce qu'ils ont fait les Français. C'est vrai. Ils ont bien roulé les Français ce week-end. Du coup là, ça fait un peu trop maintenant ma table. Un peu trop, mais sinon l'idée est là. Et toujours mon premier est pas assez raide. On va le mettre plus haut. Oh, ça fait un truc plus raide. Voilà. Et là on va la descendre là à peu près la table. Alors Roxane, il glisse bêtement. Ça aurait pas été autorisé alors au niveau de faire ce genre d'erreur. Ah là, c'est joli là, j'aime bien. Ah, du
coup elle en voit trop la première, mais l'idée est là. Quitte à faire un petit éject au bout quand même. Voilà. C'est vraiment une formalité le step-up. Hein. Vraiment, limite, il faudrait que je rapproche la table pour éloigner la SF. Comme ça, du coup. Non, c'est pas ça, c'est chiant à faire. Hein. Ouf. Yo les colio, bah ça va très bien toi. Moi c'est bien comme ça, voilà, moi ça me va. Même si du coup la bosse au bout elle fait ridicule là. Je pense qu'on peut aller chercher une réserve un peu plus loin comme ça. Limite, elle sert à rien quoi, la réserve derrière. La table est trop haute, trop... Elle en voit trop en fait. J'arrive pas à faire un joli step on step off, c'est pas évident. Voilà, on va laisser comme ça. C'est très bien comme ça. Et dans l'autre sens, j'ai envie de faire juste un petit double. Mais avant, on va caler le virage là, le 90, qui va être en face de lui. Toi, hop, copie. Dans l'autre sens, même dans ce sens-là, parce qu'on veut sortir par là, donc dans ce sens-là.
Pourquoi il n'y a pas le virage dessus? Mais il est nul. Toi, dégage du coup si t'as pas de... Pourquoi il me l'a pas copié? Pourquoi il a plus rien lui? Trop bizarre. Toi, t'as encore des trucs dessus. Oui. Donc, je veux que tu me le copies. Voilà. Bien. Si je veux partir par là. C'est comme ça qu'on fait. Oui. Qu'est-ce que vous avez tout ça spam là? J'ai pas compris pourquoi. Qu'est pas ça, qu'est pas tout. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que tu... Mais, je sais pas quand j'aurai le temps. Faut déjà que j'enlève les pubs. Enfin, pas les pubs, mais les copyrights sur les chansons, puis après. Donc ce live il arrivera plutôt mercredi je pense. Enfin mercredi, qu'est-ce que j'ai diamant ou quoi? Il est mercredi, ce week-end plutôt je pense. Ou vendredi peut-être. Sans ça personne va aller chercher ces virages là. On les met parce qu'on doit les mettre mais c'est tout quoi. Ah, c'est bien. Là sur le retour. Moi j'aurais bien mis juste un double. Je sais pas, Fuxo, des fois faut pas chercher à comprendre. Moi j'aurais bien juste mis un double pour repartir par là après. Bah oui, mais si je repasse là, ça recoupe. Je suis bête. Bon, tant pis, il y aura un croisement sur ma piste. Est-ce qu'on se voit? Parce que là, j'aurais bien fait. Ou sinon, je fais une ligne comme ça directement et hop, je boucle. Non, pas de partie sable, je pense pas. Parce que sinon, là, je pars tout droit. Et je vais faire passer derrière la startline et c'est reparti quoi. Et ils refont un tour. Donc en route, je ferai tac, 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 tac. Déjà, on a combien de temps au tour là? 4,50. J'arrive pas à être bien sur le triple. 5,11. Vous retenez le chat hein, quand je commence hein. Voilà.
Attention, je vais tomber là. Oh, je n'ai pas encore le leap au niveau de vitesse. Au moins, ceux qui voulaient voir le track, vous voyez le track. Ce passage de ouf, ça les mixe, ouais. Bah déjà, là, on est à plus d'une minute au tour, c'est pas mal. 24 ici. Non, je l'ai pas remis. Ouais, les lignes vont se croiser, c'est un détail. C'est... Vous avez l'habitude avec moi ce genre de choses. De vous là, pensez. Ah, j'arrive pas à être aigu. Mais la stupide, c'est tout ça. Il y avait plus de croisements que ça, mais. Ils sont trop durs les oups, il faut que je les refasse. Oh. Je sais pas ce que j'ai fait. Tout est parti dans n'importe tous les sens. Ouais, là je peux mettre un enchaînement rythmé ici, tu vois. Puis après, un virage gauche et tu reprends sur la start line et c'est reparti, quoi. Je pense qu'on va partir là-dessus. C'est bien, alors, cette ligne, il y a vraiment beaucoup d'enchaînement dans la première ligne là. On fera les smooths des boss et tout après, hein. C'est pas, c'est vraiment la finition. Hein. Il est trop bien le leap là, mais il faut avoir la bonne vitesse, mais il passe vraiment bien. Quand t'as compris comment le prendre, il est vraiment cool. Je pense que c'est tellement ça la ligne la plus rapide là. Un gros pont. C'est bizarre de prendre un pont dans ta start line. Ou sinon, j'avais vu un. Ça va rappeler pour les gens qui jouaient à MX Society TV, il y avait un départ comme ça qui était en hauteur. Faut vite. Parce que sinon, je peux surélever cette partie-là. Comme ça, là, il saute au-dessus et nous, on roule dessus. Ça peut être pas mal.
Genre, en gros, tu surélèves ta start line. Et du coup, eux, ils arrivent là, ils sautent. Et du coup, ils sauteraient au-dessus de ceux-là qui passent là. Il y avait ça dans Supercross All Out. Ou encore, non, encore. Supercross encore, il y était. Et je crois que dans On Edge, il y avait un circuit comme ça. Peut-être que dans Reflex, il y en avait un. On peut faire ça. Genre, on surélève toute la start line, comme ça, là, ça leur fait une table à sauter. Et ils sautent au-dessus de ceux qui coupent. C'est un peu plus réaliste, comme là, en haut, on saute au-dessus. On peut faire ça. Et du coup, ça rajoute une boss, là, dans... dans cette partie-là, où... où tu prends ton virage droite, là. Hop. Ah, mince. Pam, pam. Et là, tu sautes. Tu ratterris là, tac, tu prends ton virage. Paf, hop. Tu fais ton virage, tac, et là tu remontes. Et c'est reparti, enfin, ça peut être sympa. Ça peut être cool, ça rajoute un peu d'originalité au track. Donc ce qu'il faudrait, c'est placement. Là. Ah mince, c'est le virage que j'ai bougé, tant pis. Toi, je crois que t'es tout seul. Ouais. En gros, de là, bah, du coup, on va rallonger peut-être un peu. On va aller jusque là. Hop. Tout ça, faut que je fasse un qui descend. Edit cette from terrain. Donc, je la veux plus haute, mais pas trop haute non plus. Genre ça. Donc, au début, on va la faire plate. Non, line. Genre toi t'es placé jusqu'à où du coup? Ah, je suis à l'envers, je suis dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Toi de là. À toi de là. Voilà, comme ça on est bien. Voilà, du coup, ce coin-là, on le lève. On va le lever de 1 et demi. On va le lever bah, jusque là, du coup. Et on le descend progressivement, comme ça, quoi. Peut-être que je vais le lever loin, là. Ouais, peut-être un peu loin. Là, et lui, on le met en courbe. Comme ça. Ouais, c'est ça. Non mais je sais Mortimer, hein, t'inquiète pas que j'y ai joué des heures à On est acheté. J'en ai des heures de jeu. Hein. T'arrives là, tac. Donc, tu fais ta ligne, tac tac tac, tu reviens par ici. Ah mais là du coup là elle est un peu haute quand même. Elle est un peu trop haute. Mais l'idée est bonne. Je l'ai monté de 1, on va la monter de... Hop, voilà, comme ça. Un peu en dessous. Hop. Il y a des avions, des monster trucks, des... tout ce que tu veux, quoi, sur les achats. Des quads... Thank you.
C'est pas mal là. Du coup, normalement, si je mets un appel ici. Oh, il y a moyen que je saute jusqu'au bout, je pense. On va essayer. Placement. Toi, New. Peut-être virer le virage qu'on mettra après. Set from terrain. Et du coup, là, on part en jump. On va mettre le virage après, c'est plus simple. Salut Kevin, salut. Il y avait les caddies de golf, il y avait les buillis aussi et tout, c'est vrai. Ouais, nickel, là tu sautes nickel, paf. Et t'as été là, pouf, nickel. Il est nickel mon appel là. Je vais juste refaire mes oups parce que c'est un calvaire ces oups. Là. On va les faire à 3, on va les resserrer un peu quand même. Tac. Donc lui il arrive là. Lui il arrive là. Là, lui il arrive à la moitié. Lui il arrive dessus. Lui il arrive à la moitié avant. Lui il arrive. Non, attends. À la moitié avant, là. Lui il arrive dessus, du coup. Lui il arrive à la moitié avant. Ok, on est bientôt sur la fin. Lui il arrive dessus. Lui il arrive à la moitié avant. On va commencer à les réduire. Lui il arrive dessus. Lui il arrive à la moitié avant. Lui il arrive dessus. Lui il arrive à la moitié avant. Là. Oh. Et lui il arrive dessus. Et lui il arrive à la moitié avant. On en fait un tout petit vraiment. Histoire de dire qu'il y a un oups. Et là. Ça va être mieux là. Ouais, c'est mieux. Je préfère ça. Mais on peut les faire plus gros. Mais je préfère ça quand même. Tac, tac, on les fait monter progressivement. Ils arrivent jusqu'en haut, voilà. Et touche la ligne. Ouais, c'est tout long en fait. C'est parce que tu fais plein d'essais pour que ça marche bien. C'est ça en fait qui est dur. Un peu comme ça.
Parfait, les hoops comme ça, voilà, ils sont mille fois mieux mes hoops. Mille fois mieux, on va pouvoir les élargir un peu, parce qu'ils sont un peu fines quand même. Voilà. Dono! Merci beaucoup pour ton tir 1. Through November, c'était quoi? C'était jusqu'à novembre, c'est ça? Pour 2 mois, bah oui, mais merci beaucoup. Et pourquoi il me dit November? Et merci beaucoup pour ton abonnement de 2 mois. Merci beaucoup. Ouais, mais c'est bien. Juste au milieu, il tape fort, mais en soi. Non, c'est bien. Oh là, ça passe. Et hop, on enchaîne. Non, c'est bien. Juste du coup, les faire plus plates parce qu'elles sont un peu à pic. Mais sinon, l'idée est bonne. Alors, on va les aplatir comme ça. Hop. Soit moins violente pour les taper. En faisant un petit plat sur le haut. Avril, mai, de... bah, c'est clair. Ben non, mais je suis bête. Non, mais c'est juste moi qui connais pas mes mots. Mais moi, c'est tout. Je... c'est clair que c'est logique. Je sais pas ce que je raconte. C'est vrai que c'est totalement logique. C'est... Excusez-moi. J'ai perdu mes mots, tellement j'étais content. Ben, voilà. Voilà. C'est propre. Juste les redescendre un peu à la fin et on sera bon pour avoir des hoops un peu plus smooth sur la fin. Voilà, les derniers on va les descendre légèrement. Voilà. Bon, ils sont un peu méga larges là du coup, placement. Toi, je crois que t'étais edit. Bah merci Dono qui rev 5 subs. Merci à toi. C'est tombé sur qui? Elliot, Olfmir, nice. Leiko, nice. Xelorisme, nice. Fred, putain, c'est tombé que sur des bons comptes. Putain, nice. C'est trop bien tombé. Bah merci beaucoup Dono, ça fait super plaisir. Merci de ton soutien encore ce mois-ci. Ça fait plaisir. Non, c'est trop bien tombé. C'est tombé que sur des gens actifs. Et des gens que, des pseudos que je connais. Donc c'est cool. Bon oui, Olé Coléoc encore passé à côté, mais. Hop là. Faut qu'ils repartent par là. Ouais, il va être bien là. Juste il est trop grand du coup. Non, il m'en faut un plus petit virage en fait. Je sais ce que je fais pour garder la forme. On va faire comme ça, on va faire ça. Ah mais on peut pas. Ah oui je peux peut-être. Hop. Placement, you. On va avoir un virage un peu plus serré. Cette forme terrain. Là, je fais retour.
Comme ça. Tu dégages. Là, j'ai un virage plus serré que je peux mettre là. Carrément plus serré. Faudrait que je vois pour refaire cette notif un jour de sub. Pour que ça remercie le mec qui sub, quoi, qui offre les trucs. Que là, ça remercie ceux qui l'ont reçu, donc c'est bien aussi, hein, mais. Je préférerais l'inverse. Ouais, c'est bien, mais c'est bien là, comme ça, un petit virage, hop. Ah, par contre, le saut il va être tendu, hein. J'ai l'impression. C'est tellement vieux la notif des subs. Oui, c'est clair que c'est depuis le début que j'ai celle-là. Donc, faudrait que je fasse un truc un peu plus animé, je pense. Ça pourrait être cool. Il va vraiment être tendu le jump, hein. Oula, je m'attendais pas que ça envoie comme ça. Parce que là on arrive pile dans la bonne distance, quoi, c'est. Alors que j'arrive fort dedans. Je pense que le virage il va pas, il faut faire un truc un peu plus grand et un peu plus smooth. On va le refaire 100% nous-mêmes. Un peu plus grand du coup, jusque là j'ai envie de dire. Donc de là à de là. Le dos il va arriver là et le début il va être là, je pense. Voilà. Curve. À peu près ça de haut. Hop, toi t'es en line. Fallo du virage. Ça passe? Ça passe. Il est connu. Bon, déjà là le virage a l'air d'être mieux, mais bon, on le voit pas, dommage, mais timing gate, on va la mettre là, la gate au pire, hop. C'est bien, mais tu viens trop d'écraser dedans.
Je peux bien faire comme ça. Ah là c'est pas mal là. Et du coup il y a juste... Ça va forcément t'enlever. Voilà, là on va baisser le focus, je pense. C'est le radius. Non, je veux pas qu'il y ait de trous en fait là. Je mets un smooth hein. Je suis pas sûr que ça change quelque chose le smooth. Est-ce que je vais pouvoir remonter ça en arrière? Non, non, je peux pas aller plus loin. Je sais pas comment je peux faire pour réussir à le choper ce truc. Peut-être qu'il y a moins de focus, un plus grand rayon, moins de focus. Ouais, au pire comme ça. Ouais, c'est le City Dimension XS. De toute façon, même si tu prends de l'intérieur, il y aura moyen de le sauter, quoi, je pense. Et puis, tu en as la PL, hop. Là, je prends vraiment long, hein, donc. Je pense que ça passera largement 250 ans, hein, coup sûr. Puis vous pouvez toujours faire ça, hein, hop. Mais je pense que le saut il passe en... On va essayer au pire. Hein. Garde, easy en 251. Je l'ai easy en 250, mais vraiment easy. Limite, je l'ai plus facile qu'en 450. Ouais, parfait. Du coup là derrière maintenant faut mettre une récep. Là. C'est un peu tendu, je pense que je vais réduire un peu la start line. Placement. Toi, pent. Focus à fond. Je vais m'enlever un peu à mon avis.
Voilà, pour un peu plus de place pour faire une récep. Et je fais une récep ici. Pour ce 50. Eh, les 50, c'est bon, ils ont un terrain là, les 50. Hein. On peut me faire chier. Jusqu'où je peux aller chercher la récep? De toute façon, je pense qu'il y a une récep jusque là, ça suffit. Oui, il va être gratuit le terrain. Un peu à pic, mais l'idée est là. Puis on peut mordre un peu sur la partie là, si on veut. Et le mettre à pic, on le met en curve quand même. Est-ce que vous aimez l'idée là? Allez, nickel la récep là. T'es bien smooth et tout comme on aime, c'est parfait. Evan, merci beaucoup pour ton follow. Wap, et tout là tu sautes au-dessus des autres et tu. Pour ton virage, t'enchaînes quoi. Ça, pourquoi je sais pourquoi je l'ai fait autant dépasser, je sais pas. Ouais, le virage est serré, mais bon, je peux plus trop changer ça. J'ai ma start lane qui est là, ma ligne qui est là, quoi. En soi, la ligne rapide, je pense que ça va être comme ça, couper un terre. Oh, il y a une marche, je sais pas la fin de la récep. C'est pour ça que je dépasse quand je fais ça en fait. Là, j'ai toute la récep. Pas de soucis, Starox, au plaisir d'aider. Oh, ça passe bien. T'arrives là, tu wap, tu l'as et oh, je suis mis le pont. Faut être précis quand même, hein. Ça sera bien envoyé droit. Ah, nice! Cool! Bon, faut qu'on décide ce qu'on met ici.
Là, ça devient une chose sérieuse. Moi, je mettrais bien genre une ligne rythmée, un virage par là, et hop, tu remontes dessus et tu refais un tour, quoi. Un triple, on a déjà un autre triple, on a déjà deux gros triples là. Après ouais, je peux toujours y aller sur un triple, hein, super cross, mais bon. On a déjà un sur la piste, donc... Il y a déjà un triple ici, quoi. Avec le méga leap là. Tintin Pichon, merci à toi du follow, merci. Bah, ça change la jouabilité, c'est tout. Ça change pas grand chose de jouer clavier ou manette. Comme sur tous les autres jeux, quoi. Un looping. J'avoue que ce serait énorme, un looping dans le Supercross. Faire un looping hyper large et wouah, ce serait trop ouf. Ça serait n'importe quoi, mais c'est trop bien. Genre là, t'arrives, hop, tu prends ton virage normal. Mince. Ouais, je sais pas où je vais. D'ailleurs, tu prends là, tac, tac. Et là, t'arrives, hop, looping. Ça serait n'importe quoi. Mais bon, on a déjà mis du n'importe quoi dans cette piste avec le leap, c'est bon, hein. Donc soit on fait un enchaînement rythmé, soit on peut refaire un trip supercross au pire. Je remets lui, je me fais pas chier. On va remettre un trip supercross, vous êtes content quand il y en aura deux sur la piste. C'est que ça prend plein de place un truc super cross, hein. Lui, il est un peu... Il est vachement grand comme trip supercross aussi. Hein. Après, ce serait sous une facilité, quoi. On va le rapisser, puis on sera bon, hein. Un mur 180, c'est hyper chaud à faire ça, Mortimer sur XS. Rien que de le jouer, le fait de monter et redescendre comme ça, c'est hyper chaud, quoi. C'est vraiment chaud de le jouer. Mais ça, on pourra le mettre dans le MX, par contre. On pourra faire un grand wall dans le MX, ça pourrait être plus cool que dans le Supercross. Ou là, le Japon, oui, à côté, il passe easy en 250. Japon Jump-Off. Je pense qu'on peut largement... rétrécir le triple facilement de deux cases. Je pense qu'on peut largement le mettre comme ça. Il y a une drôle de tête, on... Là. Je
Oh, ça l'a pas fait. Je sais pas pourquoi des fois il déconne comme ça, Mixes, quand tu crées ta boss, il te la crée pas. Je suis à l'arrêt, bon, c'est bon, c'est pas. Bon, easy, ouais, bien. Non mais c'est bien là, vous avez pas mon Stepan? Enfin mon trip, il est pas à sa piste, c'est ça? Moi je l'aime bien. Il est cool, tu peux le whipper et tout. Le problème de faire 3 pics c'est que ça envoie vite sur l'avant et tu auras du mal à le whipper. Là je trouve fun. Ouais t'arrives, hop. Wouah. Non je l'aime bien moi. Il est parfait, t'arrives parfaitement dedans et tout. C'est cool. Et qu'est-ce qu'on peut faire derrière? Parce qu'on va arriver vite, du coup. Soit on met directement le virage et on remonte. On pourrait faire ça. On sera combien de temps autour? Tiens, on va regarder si on fait ça. Et on peut pas parce qu'il n'y a pas la montée. Bon, c'est pas grave. On remontera à l'arrache. On va gagner un peu le temps autour. 50, c'est parti! Ça repart. C'est n'importe quoi, c'est oups. Non, pas du tout. 12-30. J'aime pas mes oups, comment je les ai fait. Oh, parfait ce leap, parfaitement. Bon, pas grave, on passe à côté. Je fais 45 secondes, du coup, c'est ça, j'avais dit 12-30. Mais c'est un peu court quand même. Je lui disais pour la fin de circuit de passer derrière la ligne de départ. Ouais, tu peux repasser derrière et tu peux faire un saut derrière et atterrir à plat, je pense, tu vois. Quand t'arrives derrière, tu sautes et pam, tu atterris à plat, quoi, là. Boum. Après, voir. Il est parfait là. Ou sinon, on fait un virage pour revenir comme ça. Comme ça, on revient comme ça et on reprend quoi. On fait deux lignes quoi. Non, j'aime pas le long plat. Ça sert pas à grand chose si tu mets beaucoup de plat. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Partir là, repartir là, une longue ligne du coup? Rejoindre après ici et repartir quoi. Ça fera un track en triangle quoi.
Ah, après, sinon, dans l'idée que vous avez, ce que je peux faire, c'est ce que vous parlez de repartir derrière, c'est partir comme ça, revenir, passer en bas derrière le start, faire un virage 180 et là, sur un petit pain de sucre, reprendre la start line. En gros, tu auras un autre pain de sucre ici pour monter dessus la start line et repartir. Et le start sera là. Donc en gros, tu reviens sur le côté du start pour reprendre. Ça pourrait être pas mal. Donc en gros, le start, si je le mets là, faut que j'ai suffisamment large. Ouais, j'aurai suffisamment large, je pense. Hop, je coupe ça. Du coup, on passera là. On ferait demi-tour ici pour remonter sur un pain de sucre et reprendre là. Bon, faudra faire gaffe aux, ceux qui sautent ici, mais ça peut être sympa. La folie, l'idée là. Parfait, allez, on part là-dessus. Du coup, on va faire la fin du track, on verra après pour relier. Donc là, il faudra que ce soit bien droit pour être tranquille. Hop là, bien droit. Hop, comme ça, voilà, je suis bien droit. MXS serait dans le mal, c'est... Oh bah, clairement, Lake, oui. Si j'avais pas créé MXS Rank, je pense qu'MXS, il... Bah, il arrivera à survivre, hein. Je dis pas non plus que je suis... que le jeu survit grâce à moi. Mais il galérerait, hein, clairement. Bon, alors faut faire gaffe parce que c'est pas très haut non plus. Hein. Voilà, pain de sucre. Je suis pas sûr que ça rentre du tout bien. Vraiment pas dessus quoi. Salut Maud, je pense que ça a été la boss la plus rapide que j'ai faite de tout. Donc là en gros t'arriverais derrière là, hop, tu fais ton demi-tour. Non c'est bien, moi j'aime bien, même ça en voie haut comme ça j'aime bien l'idée. Soit hop tu la freines pour aller paf et reprendre. Soit tu prends vite. Tu prends le risque de taper un autre, mais hop là, t'arrives plus vite et tu peux enchaîner quoi. D'ailleurs, MXS Rank, c'est vraiment bien. Je viens de débuter du coup. Je suis souvent dans le fond, mais c'est vraiment trop bien de se sentir comme dans une compétition. Le seul problème, c'est que les derniers. Oui, bah oui, c'est. Bah, après, ça, j'y peux rien là, Ico. Et oui, c'est cool, c'est que même pour les débutants, tu. Ça fait de la compétition quoi. Ouais, c'est cool là, hop, et tu peux enchaîner. Franchement, je crois que c'est la boss la plus rapide que j'ai faite. Puis elle est parfaite, quoi. Pas besoin de smooth, rien, elle est nickel. Je vais juste la faire moins large, parce que pas besoin que ce soit aussi large. On va garder la taille de la boss des autres boss classiques. C'est-à-dire ça de large. Et on va gagner un peu de largeur quand même. Voilà. T'as juste bougé un poil, c'est clair. Non, je veux qu'on puisse le sauter quand même. Je veux pas que ce soit trop, tu vois. Je veux juste que ce soit une marche, mais hop, un peu sauter quoi. Après, ouais, je pourrais le redresser plus, tu vois. Peut-être, on va tenter. Hein. La droite, c'est plus raide que l'autre côté. Dans tous les cas, le pain de sucre, tu pourras le sauter, quoi. Ou sinon, je fais un truc où tu t'es dans plus bas. Ouais. Non, de côté, le problème, c'est que tu vas trop vite arriver et le sauter, quoi. Tu vas le sauter à balle et ça va passer, quoi. Thank you.
Ou sinon, pour reprendre un peu l'idée de Strack où il y a une partie en fond. Tu le descends quoi. Fais ça, tu sautes en hauteur. Ou soit tu le freines un peu pour reprendre et repartir quoi. C'est technique même. Ah c'est pas mal là. Yo Monster Matt, salut à toi. Bah c'est clair, c'est longtemps qu'on n'avait pas vu. Ça, et puis... donc là on va tirer un peu plus haut pour être tranquille au niveau du plat. Et faire en sorte que... Non. Flatten, placement. Et interme est une bosse pour ceux qui veulent sauter directement sur la table. Une petite bosse et où tu peux sauter directement en haut. Comme ça, tu fais une petite double trace. Genre une petite bosse bien raide. Ceux qui voudraient sauter en haut. Comme ça, soit t'arrives, tu coupes ton virage inter pour venir sauter. Timing gate. Alors, je sais pas si ça va être assez haut. Hein. Mais en gros, t'arriverais de là. Hop, parfait, t'arrives dessus. Et là, tu peux prendre comme ça, et du coup, t'es obligé de prendre ton virage un peu plus large, que c'est chaud. Et pour ceux qui veulent prendre vite le virage, hop, ils prendront par là, tac, 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 comme ça, et arrive à... Je pense que les deux vont se valoir, hein. Il est juste un peu trop à pic. Au pire, je fais un double virage, quoi. Ouais. Bon, déjà, on va mettre le virage. Toi... Donc déjà pour mettre le virage, il faut que je gagne du plat. Là voilà. Il faut avoir de la place. Il me faut de la place, s'il vous plaît. Beaucoup de place. Voilà, là j'aurai la place de mettre un virage là-dedans. Parfait. Pile la place. Mais je vais quand même en rajouter. Je
Juste pour être sûr d'avoir bien la place. Oula, je touche la bosse. Pour être sûr d'avoir bien la place, là au moins, hop, linéaire add, radial add, on diminue le focus, on dézoome. Que je clique sur lui. What the fuck? Append. Ça va pas mon virage là. C'est un mur, mon virage. Voilà. Le problème, c'est qu'une nuit, tu peux prendre en bas et pour aller chercher l'appel, quoi. Soit tu passes comme ça, ou soit tu arrives et tu prends plein gaz. Ah bah oui, j'ai rajouté plein de choses, hein. Après ça va ressembler un peu à ça, partout, mais il va y avoir beaucoup de choses à faire, quoi. Je pense que mon virage, il faut que je le mette plus par là. T'inquiète, après on va décorer tout ça. Soit tu coupes, hop, pour aller chercher là. Tu veux que je mette une ornière en terre ? Normalement, donc j'ai pas tard d'arrêter, je pense. Pourquoi une série de oups? Je maîtrise mal les Dragon Back sur MXS. Je les maîtrise vraiment mal. C'est vraiment ultra chaud à faire des bons Dragon Back. Et du coup, là, il faut avoir une ornière inter, ça que vous me dites. Le problème, c'est qu'ornière inter, j'ai peur que si tu tournes, ça fait vraiment serré pour une ornière inter. J'ai peur que t'aies pas assez de vitesse. On peut tenter, hein. Non, ça peut passer quand même. On va se tenter. Non, on ira à terre. Donc en gros, il faudrait que l'ornière inter, il faudrait que l'extérieur sorte là. Et qu'elle commence là, quoi.
Alors les ornières, je maîtrise pas du tout. Hein. Mais dans la logique des choses, enfin, qui descend et qui remonte quoi. Dans la logique des choses, une ornière, ça ressemble à ça quoi. Elle est peut-être limite pas assez serrée quoi. Parce que limite tu peux coucher dedans quoi. Mais sinon elle est bien. Putain, du premier coup. On va juste la resserrer un peu. Pas mal comme ça, juste il faut la un peu plus la smooth, mais sinon on est pas mal quoi. Ouais, comme ça soit le mec il arrive, tac tac tac. Il va prendre, Soit t'arrives et tu te dis tiens je vais prendre le gros virage. Tu prends le gros virage, prends là, hop. C'est bien comme ça, non? Ouais, passe bien en plus. Et du coup ça fait que ça empêche de... Si tu prends l'extérieur... Ah non, tu peux quand même y un petit bout quand même. J'ai réussi une ornière, je suis content. Putain, comment ça ressemble à quelque chose, super croissant. À ma sauce, mais je suis content. Bah là autant tourner directement à gauche pour aller par là, prendre là. Oui c'est vrai que là je pourrais mettre une petite ornière inter aussi. Du coup il suffirait que je reprenne toi, copie. Après le petit des ornières inter on le rajoutera après. Après, ce que je peux faire, hein, il suffit que je bouge la bosse là. Que je reprenne celui-là, je fasse paint. Hop, si tu veux pas que l'extérieur la prenne, je fais comme ça et l'extérieur il ne peut plus la prendre. Hein. Enfin, tu peux, mais tu perds beaucoup de temps quoi. Alors que si tu prends la ornière inter. À la limite, tu peux pas la prendre non plus. C'est toi qui as l'armure inter, oui. Je la décale par là. Que je mette un peu d'angle, je pense.
Si jamais plus comme ça, genre en mode t'arrives, hop, tu... ça. Le problème c'est que c'est un... ça fait un 104, ça fait trop... Si je veux l'allonger en fait ça la referme l'ornière. Là, vous l'aimez bien là ? On voit vachement à gauche, c'est ça le problème. Ouais, bon. Sauf pas que ce soit trop rapide non plus de prendre par là. C'est bien, allez hop, on laisse comme ça. Comme ça, voilà. Un peu plus vers l'extérieur. Encore plus vers l'extérieur, l'ornière, mais non. Pas abusé non plus. Et là, faut trouver un truc à mettre, du coup. Moi, je peux faire une 100% double trace, ouais. Salut, Supaz. Salut, salut. Oui, là, on pourrait mettre une 100% double trace. Le problème, c'est que double trace, les gens vont s'amuser à repiquer pour, au plus rapide, quoi. T'as déjà la première ligne en enchaînement rythmé en double trace, quoi. Moi, je mettrais juste un virage là pour revenir, en fait. Tac, tac, et ça suffit, quoi. Faut oublier qu'on est sur un campagne non plus, on n'est pas sur une piste de supercross américain. L'autre ex... Ah, ok. Plus par là, du coup. Oui, en soi, on peut mettre une Joker Line. Hein. Genre là, tu peux mettre une bosse à l'intérieur qui te fait sauter au-dessus du virage et là, qui tourne. Genre...
Déjà, on va mettre le 90 là. Putain, je l'ai aussi parfait du premier coup, mon 90. Et là, tu mets une bosse à l'intérieur qui te fait sauter, quoi. Qui serait quelque part comme ça, hop. Et genre à peu près là, du coup. À la moitié de ça, plus 50. Bon, par contre, faut vachement anticiper quand tu veux prendre ta start, ta Joker 9, hein. Parfait, hop, tu sautes derrière. C'est limite un peu loin, je trouve, mon virage et mon saut. Dommage, mon virage, il était parfait. Est-ce que j'ai refait un virage parfait ? Non. Là oui. Ah, c'est nickel, ça te renvoie bien au bon endroit. Limite on peut la faire un peu moins haute. En diminuant le focus. Voilà.
fait un peu plus raide quand même. Je sais pas, Mixtape, faut que tu regardes, mais peut-être. Je vais pas te dire, j'ai pas parcouru tout le catalogue. C'est un peu raide maintenant. Ouais, c'est trop raide. Je vais voir où est l'autre. Un peu de place quand même. Bien sûr, il faut que je prenne entre les deux. Seul endroit où il n'y a pas de boss. Ça envoie vachement, mais bon, pire, tu ralentis. Hein. Faut faire de miracle non plus après, là, c'est plus d'un triple. Hein. J'aurais pas eu place de mettre un petit double entre les deux là. Mon triple il est trop gros. Là t'as largement la place de les là. Hop, prends ton virage. Oh, c'est bien comme ça, moi j'aime bien. Et du coup, là, vous voulez que je remette des oups. Chiant, les oups. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est un placement. Yo. De là à de là. Hop. Peut faire une descente tout smooth. Qui part à droite, puis l'autre qui part à gauche, par exemple. Ouais, c'est chaud à faire ce double virage comme ça, bien collé. Je l'ai fait sur mon track 50 et c'est chaud. Ouais, pourquoi pas, on verra. Enfin, ouais. Mais bon, là, je me demande comment il monte sur la start line, mais. Pas de problème, au pire, on mettrait une descente mousse ici pour aller au départ. Du coup, là, je veux bien me mettre Joker line, mais elle va partir par là. Faut qu'elle puisse revenir dedans, quoi. Au pire, ouais, je la fais retourner au bout, quoi. Puis on fait une partie sable, hein. On se fait pas chier.
Un escalier, c'est quoi? C'est de plus en plus gros, c'est ça? C'est des hoops, mais qui montent? C'est ça que vous appelez un escalier? Juste dans cette ligne, je sais pas quoi mettre. Et puis on va aller voir sur... Track map... Ama SX. Toutes les track maps. Moi, je veux des idées de bon enchaînement. Tiens, ceux de Salt Lake City donnent quoi? Fais un tremplin pour replonger. Non mais là, je vais pas laisser là, hein. Je vais pas laisser du plat là, hein. Je vais mettre une bosse là. Stanny. J'avoue qu'il n'y avait pas de double d'arrivée. Bon, puis on peut faire un trip d'arrivée. Hein. Ce sera un trip d'arrivée, hein, l'arrivée. Tant pis. Hein. J'avoue qu'il n'y a pas de double d'arrivée. Au pire, tu le mets là sur le gros triple. Hein. Ou on le met là, le double d'arrivée, hein, derrière le départ, mais ça fait bizarre. Non, mais j'aurais bien mis un... Ou un... Je sais pas... Yo Alex, yo. Je vais essayer un truc. Vous me direz. Je suis à l'envers, ça me perturbe. Faut que je le mette dans l'autre sens. Genre de truc comme ça. Paf, paf, paf. Genre un double step-on qui te fait monter et sauter après dans la récep. On va essayer ça. Mince, faut que je fasse en add. C'est pas mal. Si on add, ça passe bien.
On reste dans l'atypique. Sopo 3SX. J'aime bien le fait de sauter un peu dans le vide à la fin, puis ça rappelle un peu le track 50, tu vois. Je remettrai une passerelle et voilà, ça fera comme le track 50 avec une passerelle. Bon, l'idée est bonne, mais les formes des boss sont pas du tout bien. La table est trop courte. Jamais je vais réussir à faire ce que je veux. Ça passe bien.
dans l'idée, ça, du coup, ça fait un peu pain de sucre, quoi, ça te casse ta vitesse, t'arrives. Tu peux prendre un fond, mais ça sert à rien, quoi. Pas mal comme ça, moi j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait un pain de sucre qui change un peu, quoi. Bon, faut changer un peu la recette, mais... Ce qui fait que ça casse ta vitesse, donc ça fait que si jamais tu veux... aller à l'inter, tu peux aller à l'inter, quoi, t'as le temps d'y aller, quoi. Et au pire, je mets une autre récepte plus loin pour atterrir et prendre l'exter. Ça peut être pas mal, genre, soit t'arrives, hop, tu freines, tu prends l'inter. Soit t'arrives, tu gardes un peu plus de vitesse, du coup, hop, tu fais une bosse derrière, là. Et tu prends l'exter. Ça peut être pas mal, quoi. On se fera un tour entier comme ça. Donc, hop, tu fais un double. Hop là, et avec un intercept là. Faut juste que je smooth la récepte et c'est nickel. Ouais, la récepte est trop proche, moi, je suis d'accord. Hop. Mince. C'est linéaire A dès qu'il faut que je fasse. On va le faire comme ça parce qu'il faut que je puisse après. Au pire, on la recassera à la main pour bien l'arrêter où on veut. C'est pas de le faire trop large. Voilà, on la recoupera nous-mêmes à la main. Et là, je pense que c'est pas mal. Là. Ouais, c'est pas mal. T'as le temps de plonger à terre. Et là, si tu prends de vitesse pour hop, atterrir ici, c'est nickel, quoi. Plus raide le mur, mais faut pas abuser non plus. Plus raide, c'est que tu vas te prendre un mur, quoi, ça va pas être réaliste, quoi. Ça va, tu plonges en terre, tac, tac, tac. Et l'autre côté. Hop, et là, t'arrives dans une récepte ici, quoi. Rajoute une récepte là, quoi. Puis on est bon. Puis on se fait un tour complet, puis on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Moi, je suis encore à l'envers. C'est chiant. Donc toi t'es où? Toi la récepte, je veux que tu sois à peu près là, le début de la récepte. Non, on peut plus accéder à l'inter là, du coup j'ai pas mis l'inner paint. J'ai mis trop proche. Mmh.
trop loin là. Elle est trop haute. Plus dans le sens du virage, je pense. Ça sera mieux. Ouais, tu peux éviter le premier plat. Oh, c'est trop propre, ça passe. Bah, du coup, c'est chaud d'aller chercher un lien inter, mais... là ça passe. Ah, je bon, on va pouvoir mettre sur le serveur si vous voulez, parce que j'ouvrirai un serveur temporairement pour mal de copains dessus, mais ce sera que du free ride dessus. Je vais pas me faire chier à créer des gates et tout pour créer des temps. J'aime bien comme ça. Juste je vais faire le dos un peu plus raide et on sera bon. Voilà. Pas gâcher l'ornière là. Ceux qui veulent prendre l'ornière, ils peuvent la prendre. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas vraiment un mode freeride sur MXS comme sur MX Bike où tu peux rejoindre des gens en free quoi. Et venir rouler avec eux, t'es obligé de restart, mais bon, c'est un détail. Oh, c'est trop bien. Je kiffe comment ça passe. C'est trop bien. Et sinon, tu prends comme ça. Le problème c'est que si tu prends comme ça, tu peux pas prendre tout droit. En gros, si tu freines, de toute façon c'est pas fait pour, mais... Là, c'est un petit tour. On va faire là-dessus. C'est déjà bien bien tard. Bien le leap là, il envoie tellement bien. Je l'ai tellement bien réussi. Bon, faut que j'en fasse les loops parce qu'ils sont nuls. Pas sur le côté, vas-y. Il me reste la Joker Line à faire. Un peu court, oh, dommage. Non, mais c'est cool, là, j'aime bien comment ça fait. Ça fait vraiment track pour le fun, quoi. Qui a été build vraiment pour s'amuser et pour s'amuser, quoi. Et encore pour s'amuser, quoi. Mmh.
vous en pensez quoi de ce du petit interne SX là? Ah, dommage. Moi j'aime beaucoup. Il y a de l'originalité sans être trop original et. Sympa. Mais non, pour le. Tu freines, tu vois, hop. Ça passe vraiment bien. T'arrives et tu mets juste. Tu t'accélères pas sur le mur et ça passe bien, quoi. Pour l'inter. Bah, hop. Tu te laisses aller. Allez, on se fait un tour depuis le départ. Et on s'arrêtera là. Timing gate, on va essayer de faire le petit tour parfait. Le départ, il sera là, du coup. Avec la montée par là pour le haut départ. Go. Allez, triple. Alors, tout court. Tant mieux, on va partir sur tout court aussi. Attendez, on va faire un plus propre. Non, j'arrive pas à bien prendre. Voilà, on va passer comme ça. Non, je perds les pieds à la SF. Sur MXS Rank. MXS Rank, ça va être la mort. Hein. Il est pas assez large et tout le terrain. Ah merde, j'ai dû stopper jusqu'au bout là, je suis bête. Je perds les pieds partout. Accélérer la cèpe du lip. Oh, trop bien, Loops là. Je vais trouver un pays. Dommage, un peu court. Tu vois, l'arrivée, on le mettra sur le triple, hein, et ce sera très bien. On va chercher au bout. J'aime trop là comment tu vas chercher au bout. Trop bien. Oh, je pars du mauvais côté. Attendez, je suis pas dans la bonne ligne. Bah, je l'aime beaucoup ce SX. Je sais pas vous, mais on aura mis pas mal de temps à le faire, mais j'aime beaucoup. Plus qu'à le décorer et tout, puis on aura une ambiance sympa quoi. Il faut pas prendre trop vite le loop, c'est bien. Je vais les laisser. Transfert. Là, en virage. Oula. De ça à là-bas. Bon, c'est bizarre, non? C'est bizarre ton idée. Tu veux que je transfère de ça? Oh oui, tu peux passer! Oh, trop propre! Ça pourrait être vraiment propre! Ça pourrait vraiment être cool, une trace cool à faire aussi, ça! Ah, je n'y aurais pas pensé. Bonne idée. C'est qui a eu l'idée? MXY je t'aime, bah voilà, tu portes très bien ton pseudo. Faut que je arrondir un peu et ça passe quoi. Vas-y, on va le faire tout de suite, histoire de pas oublier. Placement, toi, edit, set from terrain.
Pourquoi il m'a fait une table ronde comme ça, lui? Il est fou avec sa table ronde. De toute façon, on va toucher que cette petite partie-là. Moi, cette fin de terrain marche pas toujours parfaitement. Hein. C'est un peu carré, quoi. C'est technique quand même, hein, parce que l'appel est vraiment tout petit. Ça peut passer, mais pour aller choper l'inter, c'est chaud. Hein. Arrondi aussi la bosse à l'intérieur. Ça passe. Ouais, ça passe, mais c'est tendu, hein. Ouais, mais pour aller chercher l'inter après. Le problème, c'est que je peux pas trop bouger la table. Je peux pas trop écarter ma table, on peut gagner un peu si je veux, mais je peux pas gagner beaucoup. Hein. Ah voilà. J'ai peur que ce soit, du coup, ce soit une des lignes les plus rapides, quoi. Non, c'est pas la table. T'as voulu que je bouge la simple? Non, mais je vais laisser comme ça, je pense. Hein. Écoutez, c'était pas une ligne qui était prévue de toute façon. C'est juste que l'appel est 3 piques, quoi. Voilà, ça fait un passage technique, au moins pour les gens qui veulent tenter un truc dur, ils peuvent tenter un truc dur, quoi. Voilà, on s'entend, et puis après faut vraiment aller piquer l'inter pour aller chercher l'inter, mais ça passe. Bon allez les gens, nous on va s'arrêter là, parce qu'on a déjà bien débordé. J'espère que ce live vous aura plu, c'était bien cool. Prochain live, on va découvrir tout ça, pour avancer, et puis ça va être sympa. On sera bien pour le track, et on sera bien découvert, on va smousser un peu tout ça. Mais on verra ça dans le prochain live.
Je vous souhaite une bonne soirée, c'était Mixway. Désolé, j'ai dépassé beaucoup, mais...